Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Il est 8h40, quelque chose comme ça. Pas du tout, il est 9h04 et je suis en train de jouer avec Oli dans le salon. Cette demoiselle est déjà réveillée, elle a pas passé une super nuit. À 5h, gros chagrin, cauchemar, tutti quanti. Et quand j'ai voulu la remettre dans son lit une fois rendormie, impossible, ça repartait en pleurs et tout. Et dès qu'elle nous a entendu nous lever pour réveiller Léo, eh bien c'est reparti en pleurs et tout. Donc voilà, c'était pas le meilleur des réveils. Mais bon, tout va mieux. C'est un petit chat. Voilà, j'ai le droit au petit chat. Attention. A-t-il fait à quel hein? J'avais trouvé ce truc-là chez... Oh là là, j'ai Socket qui m'attaque mon... Enfin, entre le chat là et Socket qui m'attaque mon sapin, on va pas y arriver. Bon bah, j'ai Socket qui m'a cassé mon Père Noël. Je suis dégoûtée. Regardez, le gros lot et tout est parti. J'essaie de bidouiller un truc parce que Léo l'aime trop celui-là. Bon, me voilà assis ici. Donc j'ai mis un petit point de colle sur le Père Noël là, pour dire d'essayer de le réparer. Alors nous sommes vendredi, donc matin. Léo est à l'école et Oli court partout depuis ce matin. Comme je vous disais, la nuit a été compliquée, mais ça l'a pas fatiguée pour autant. Je crois que depuis ce matin, t'as dû faire 3-4 km déjà dans la maison, tellement tu cours partout. Elle est trop taquée, je vous jure. Bon, aujourd'hui, le temps, c'est vraiment pas fameux. Petit point météo du vlog. genre, c'est tout gris, c'est très très humide. Il y a une pluie extrêmement fine qui tombe, qui fait que c'est... vraiment, c'est... j'ai même pas les mots, c'est déprimant comme temps. On a l'impression qu'il fait nuit, si on éteint les lumières il fait tout noir à l'intérieur et tout. Et franchement c'est pas plaisant. Le programme de la journée j'en ai pas franchement pour l'heure. On va y aller à la cool. Je vais ranger ici ou là les petits trucs. Je vais nettoyer, enfin voilà, j'ai des petits trucs à faire comme ça. Cet après-midi après l'école de Léo il faudrait que je passe à la boulangerie et commander ses gâteaux pour son anniversaire en famille. Et ce soir j'ai ma soeur et mon beau-frère qui viennent manger. À la base c'était que ma soeur. Et j'avais dit à David, bah vas-y prévois toi un truc parce qu'on va être entre nanas, chose qu'il a fait donc pour voir ses potes. Et en fait mon beau-frère est là, donc voilà, pas plus. Petit réveil tranquille. Je me suis maquillée aujourd'hui, j'ai même mis un trait vert pour faire un rappel avec mon sweat. D'ailleurs mon sweat c'est un tagine banane, c'est un sweat d'allaitement initialement, mais je l'aime trop ce sweat, je suis tellement bien dedans. Il y a une grosse capuche et à l'arrière il y a un gros dessin. Je sais pas trop si vous allez voir grand chose là, mais voilà. Wally walou, mes cheveux sont pas faits, mais c'est pas grave, je les ferai tout à l'heure. Je les ai lavés hier soir, donc il faut que je me brosse les cheveux, que je les mette en place, etc. Voilà, intro qui dure 1000 ans, tout ça pour ne rien dire. Oli qui me donne la gourde de son frère, on adore. Je vous reprends au fur et à mesure de la journée, quand j'aurai des petits trucs à vous montrer, mais pour le moment ça va être à la cool. En fait j'ai quasiment pas vlogué ce matin parce que j'ai plié du linge, je me suis fait un petit mouvement dans mes cheveux là, parce que d'ailleurs j'ai laissé ma pince ici, parce que je savais pas trop quoi en faire. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai lancé un poil, j'ai joué avec Oli, on a fait voilà, des petits trucs ici ou là. Et je suis loin d'avoir fini. J'ai aucune idée de ce qu'on va déjeuner ce midi, donc je vais regarder ça maintenant. Alors, je viens de mettre en route le repas. Je vais pas trop m'approcher, sinon vous allez plus rien entendre. Pour Olivia, il nous restait du poulet que je vais lui faire réchauffer. Et je lui ai mis au air fryer des petits yogis. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, c'est des petits bâtonnets de légumes. Je vais vous montrer ça, attendez. Hop, voilà, regardez, c'est ça. Je sais pas trop comment ça se prononce. Et en fait c'est des petits bâtonnets. Là je lui ai pris maïs topinambour et semoule de maïs. Mais elle en a d'autres. Là-bas c'est haricots verts, petits pois, semoule de blé. Et je crois qu'elle en a dans tous les compartiments. C'est quoi ça? Panais, betterave, quinoa. Et ceux-là sont à la carotte je crois. Ah non, je crois que ceux-là c'est les sucrés. Ceux-là c'est banane, fraise et avoine. Je lui ai déjà fait goûter une fois ces petits bâtonnets. C'est pas une grande fan. Qu'est-ce qu'elle m'a vu? Oui, de quoi? La banane? Après, oui, je te donnerai de la banane, mon cœur. Ça n'avait pas été une franche réussite, mais j'ai envie de retester avec des goûts différents, donc on verra. Et là, elle m'ouvre le placard à brioche, mais elle perd pas le nord. Hein. Et puis pour moi, bah, je vais voir ce que je vais déjeuner. J'ai pas trop d'idées, en même temps, j'ai pas trop faim. J'ai mangé
des muffins au Kinder Bueno qui nous restent. Tout à l'heure, pendant que j'étais au téléphone avec ma mère ce matin, et du coup, ça m'a bien calé. Donc, je sais pas, ça se trouve, je mangerai pas, ce qui est très rare, parce que je déteste sauter des repas. Mais j'avoue que là, tout de suite, maintenant, j'ai pas très faim. Donc, coucou mes petits lus, on se retrouve avec Olivia, elle est en train de manger. Donc, aujourd'hui, je lui ai fait du poulet avec des galettes de pommes de terre avec des petits bouts de carottes. Le programme d'aujourd'hui, il est 13h15. Moi, j'ai du montage à faire cet après-midi. Je vais vous montrer vite fait le poêle parce qu'il chauffe trop bien. Écoutez, je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais des gros bisous, mes petits lus, et à tout à l'heure. Je suis avec Oli et Perladou. Je vais ouvrir les calendriers de l'avant, là-haut cette fois-ci. Oh, je suis aussi avec Dame Soquet. Alors, on va commencer avec Yves Rocher. Aujourd'hui, on est le 8. Qu'avons-nous dans la case numéro 8? Qu'est-ce qu'on a, ma petite Oli? Oula, ça paraît tout petit encore une fois. C'est une eau de parfum en 5 ml, verte envolée. Voilà, c'est encore une fois tout petit. Yves Rocher sont quand même très forts sur les tout petits formats. Hein. Ensuite, on passe à Mademoiselle Bio. Toute petite aussi, on va faire sur le petit aujourd'hui je crois. Ah, c'est un fard à joues je pense. Ah non, une ombre à paupières dorée métallisée. Attendez, je l'ouvre, on va regarder ça. Oh waouh, c'est joli. Regardez comme ça brille, parfait pour les fêtes. Et j'aime beaucoup le packaging, le petit truc rose comme ça, c'est tout mignon. Donc c'est petit mais c'est cool. Ensuite passons au calendrier de bijoux offert par ce monsieur que vous avez vu juste avant. Des boucles d'oreilles. Oh, elles sont jolies je trouve. Tac. Regardez, c'est mignon tout plein, je trouve. Ouais, pourquoi pas, j'aime bien, c'est joli. Par contre, ça fait pas mal de bruit. À voir si ça m'énerve pas au bout d'un moment. Le calendrier apothical, et bah le 8 est juste là. Ouh, je connais ce produit, je crois. Ah non, c'est pas du tout ce que je pensais. Par contre, c'est trop cool. C'est un produit de chez La Drôme Laboratoire et c'est une eau florale bio à la lavande. Ça purifie et ça assainit. Permet de soulager et d'adoucir les peaux fragiles. Elle permet également à assainir les peaux grasses à problème. Et en eau de rinçage, elle contribue à purifier le cuir chevelu. Franchement, trop bien. C'est un full size. Ce calendrier, il est vraiment au top. Hein. Case numéro 8 chez Blissim. La case numéro 8, elle est juste ici. Ça, c'est quoi? Un après-shampoing pour les cheveux lisses et plus résistants instantanément. De la marque Kératine. Et il y a quand même 75 ml, donc c'est cool. Comment ça sent? Ça sent bon. Ça sent hyper bon. Ça sent un peu le beurre de karité. À tester, hein, comme après-shampoing, why not? Et je vais terminer avec le My Little Box. La case numéro 8 est ici. C'est une grande petite boîte. Une grande petite boîte. Pas du tout contradictoire, la Lulu. Oh, trop bien. À l'intérieur, c'est une lotion tonique douceur de chez Aven. Pour les peaux sensibles, sèches, très sèches. Ça, c'est vraiment cool. Et le format est parfait. C'est 100 ml, donc pour les voyages, j'adore. Et puis Aven, c'est une marque que j'aime bien. Voilà, bah écoutez, belle petite pêche. Je range ça, enfin je rangerai après je pense parce que t'as fini? T'as fini le poulet baboune? Je crois que cette demoiselle a fini le plat donc je vais lui donner son petit yaourt et puis la banane parce que tout à l'heure elle m'a demandé de la banane. Il y a Soquette et Cachou qui sont en train de faire les ouf derrière moi donc je vous dis à tout à l'heure. Vous savez quoi, je viens de tilter, je suis trop contente d'avoir eu la lotion tonique, la douceur de chez Aven parce que depuis ce matin, alors je ne sais pas si ça va ressortir en caméra, bon alors là j'avais un jetard énorme au début des vlogmas donc j'ai toujours la trace mais ici... Et là, je sais pas si vous allez voir, et là je viens de le gratter comme une andouille alors qu'il est parti, mais je voulais voir justement si il était parti. Bon, c'est pas grave, j'ai jamais de bouton. Et puis alors là, j'ai commencé les vlogmas avec un truc énorme. Et en fait, je disais, ici, peut-être que vous allez voir. Et là, et dans le coin de l'œil, j'ai des plaques de peau sèche, un peu comme des dartes. Enfin, franchement, ça me tire, ça me pique, ça me fait mal. Et j'ai beau mettre du sérum et tout, et ça part pas. Donc, je vais essayer avec ce produit-là. On va voir si ça fonctionne. Parce que je vous montre, en fait, quand j'ai ouvert un calendrier de l'avant, j'ai eu un petit sérum La Roche-Posay. Et je vous disais, je crois que je l'ai testé, mais j'ai reçu le B4. Et en fait, moi, j'utilise celui-ci au B3. Au B3, pas du tout au B3, c'est le Rétinol B3. C'est un sérum que j'utilise et qui match plutôt bien avec ma peau en temps normal. Mais là c'est vrai que depuis deux jours j'ai ces trucs là et ça me fait mal. Donc voilà, j'ai pas une super peau en ce moment. Je pense que la fatigue, la piqûre, les trucs de danse et tout font que voilà, ma peau a réagi. En plus je sors de mon cycle. Donc forcément, bah voilà, qui dit rien du tout, dit tout ça, bah dit une peau dégoûtante quoi. Bon, je vais pas vous mentir, les yoji là, au maïs, ça n'a pas été du tout un franc succès. Oli n'a pas aimé, vraiment pas aimé, voilà, c'est clair et net, ça se voit dans l'assiette. Et pourtant j'ai goûté, c'est bon, mais ça ne lui plaît pas, voilà, je pense que c'est peut-être la texture ou je sais pas, mais franchement c'est pas un truc qui lui plaît vraiment. Je trouvais ça plutôt bien pour la diversification, tout ça.
Mais ça n'a pas matché avec Oli. Donc voilà, c'est dommage. Hein, mais je pense que vous pouvez essayer avec vos enfants. Parce que c'est pas parce que ça marche pas avec Oli que ça ne marchera pas sur, avec vos enfants. Mais en tout cas, ici, petit bémol. Bon, Oli est parti à la sieste. Le lave-vaisselle est lancé. Le linge est rangé. Donc c'est une bonne chose de faite. Le café est coulé. Petite journée à la cool aujourd'hui. Hein. Je suis un peu KO. Je sais pas, j'ai mal dormi. Les chiens ont foutu le bordel toute la night. Olivia s'est réveillée, comme je vous l'ai dit, en fin de nuit et tout. Enfin voilà, j'ai pas trop bien dormi. Donc j'ai pas envie de me foutre la pression. Enfin, j'ai pas de programme de ouf à faire aujourd'hui. Là, je vais avoir plein de paperasse par contre à faire, de la facturation et tout. Donc il faut vraiment que je fasse. Là, je vais m'attaquer à la facturation pendant que je bois mon café. Et ça sera une bonne chose de faite parce que ça fait plusieurs jours que je repousse la compta. Parce que la compta, toi-même, tu sais comme c'est galère. Mais il faut que je fasse. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti, je vais me remonter les manches. Je vais boire mon café. Bon, je vous retrouve dans mon bureau. Je suis en train de regarder ce que je vais prendre comme petite surprise à Léo aujourd'hui pour Luciole. Et clairement, je suis carrément en manque d'inspiration pour la bêtise. Il va être 16h, faut vraiment que je me dépêche. Je prends quoi, B, comme cadeau? Ou j'ai un livre sur le chantier, les caleçons de la Pâte Patrouille. Tu préfères quoi, les caleçons ou le livre? Bah, le livre, il y en a eu rien pour d'autres chantiers. Ouais, mais on l'a lu déjà. Bon, bah on va partir sur les caleçons et un petit Kinder Maxi. Allez, où ça ferait l'affaire. Bon, franchement, je manque d'inspiration pour Luciole. C'est un enfer aujourd'hui. Je suis un peu patraque. Du coup, je pense que je vais ouvrir la case du calendrier de l'Avent de Léo. Le calendrier Lego. Et je vais faire comme si c'était Luciole, en fait, qui avait voulu lui piquer sa case. Voilà, c'est pas franchement folichon. Mais il y a des fois, on manque d'inspiration. Alors, son calendrier de l'Avent, c'est celui-ci. Et du coup, je pense, sachant que hier, Cachou, elle m'a ouvert une case, elle m'a ouvert la case numéro 23. Je sais pas ce qu'elles avaient cette nuit, je vous ai dit, elles étaient déchaînées. Alors la case numéro 8, elle est où? Je sais même pas ce que c'est, un genre de four. C'est censé être ce truc-là, je sais même pas ce que ça représente. Aucune idée. Bon voilà, c'est franchement de la va-vite, mais ça sera fait comme ça. Et du coup, je vais lui poser juste à côté les petits caleçons Pâte Patrouille et le Kinder Maxi. Bon, re tout le monde, il est 18h05. Je vous ai pas pris depuis un petit moment. On est rentré de l'école, Léo a pris son goûter, Oli aussi. On a joué, le père d'Adou est parti chez ses parents puisqu'il avait des trucs à leur déposer. Mon père a toqué à la porte juste après un gros badaboum d'Olivia qui s'est ouvert l'oreille et tout. Enfin bref, tout s'est enchaîné. Donc, clairement, j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Alors, je me disais, ce soir, je vous ai dit ou pas, je sais plus, j'ai ma soeur et mon beau-frère qui viennent manger, c'est eux qui ramènent les burgers ou je sais pas trop quoi. Mais je voulais faire un petit dessert. Je vous ai posé de façon un petit peu bancale. J'ai été piochée dans ma réserve d'atelier Marlette, là, cette marque-là que j'aime tant. Et je me tâte à faire un brownie. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Sinon, j'ai un fondant au chocolat bio. J'ai sinon un cake marbré. Je vais utiliser la tour pour aller voir le reste. J'ai un autre cake marbré, mais cette fois-ci avec une coque en chocolat et aux noisettes. Un cake marbré au chocolat, non, parce que tonton il aime que le chocolat, je crois. Alors ça, l'autre cake avec la coque au chocolat, pareil, j'enlève, c'est pas... Ou je fais un fondant ou je fais un brownie. Un brownie. Bon, on va voir. Écoute, on va réfléchir et je vous dirai, je vous mets à charger, j'ai ma batterie qui clignote. Bon, il est quelle heure? 19h01, le gâteau est cuit. Alors vous allez rire, j'ai essayé de reformer le moule mais c'est une catastrophe. Donc petit brownie juste ici pour le dessert, Olivia le voit. Et juste à côté, j'ai préparé un petit apéro rapidos et j'ai fait la rillette de thon avec du yaourt grec. Donc je testerai, je vous dirai si c'est bon. Voilà, donc le père d'Adou va ramener du pain. Ma soeur va pas tarder avec mon beau-frère et c'est eux qui ramènent les burgers et les frites. Comme ça, je vais rembourser si j'avais pas bougé de la maison. Flemme fois 1000. Donc voilà, petite soirée tranquille, hein. On se prend pas le chou, c'est juste histoire de partager un moment ensemble. Ah, je vous reprends, il est bientôt minuit. Ma soeur et mon beau-frère viennent de partir. Je vous ai pas du tout repris de la soirée. Soirée en famille, on a bien rigolé et tout. Et du coup, bah là, ça y est, la cuisine est rangée, on vient de tout ranger avec père d'Adou. Regardez mon brownie, il a pas fait fureur. En fait, on a trop mangé. Déjà, on a mangé trop d'apéro que j'avais fait. Ensuite, on a mangé plein de frites. Et pour finir, les burgers de chez Picard, là, franchement, c'est pas une grande réussite. On n'a pas trop kiffé. Bon, en même temps, quand t'achètes un burger surgelé, même si c'est Picard, ça vaut pas le vrai burger que tu te fais toi-même. Ou le burger du McDo, on est d'accord. Donc bon bah voilà, du coup je vous ai pas repris. Je vais clôturer maintenant, ça aurait été un petit vlog. Mais j'étais quand même contente de vous prendre. Je vous dis à demain. Je vous envoie plein de gros bisous parce que pour moi il m'attend le montage. Je vous envoie des bisous. Et je vous dis à demain, ciao ciao.